Le bilan d'une infertilité masculine consistera principalement en la réalisation d'une analyse de sperme. Le sperme sera obtenu par masturbation. Nous pourrons ainsi analyser, à l'issue d'un examen qui s'appelle le spermogramme et le spermocytogramme, la concentration en spermatozoïdes, la mobilité des spermatozoïdes et le nombre de formes typiques. Nous pourrons ainsi être en mesure de proposer la meilleure stratégie possible en termes d'assistance médicale à la procréation. En cas d'anomalie du spermogramme, nous pourrons être amenés à renouveler cet examen 3 mois plus tard, et si des anomalies persistent, à compléter ce bilan par des examens complémentaires de type dosage hormonaux, échographie des testicules et des voies génitales, voire des examens de génétique.